الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أيها الآباء الفضلاء طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا حييتم ثم حييتم يا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا يا مرحبا بكم أحبابي الكرام نعيش زمانا يتطاول عليه أعداء الإسلام فلم يجدوا غير شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ليرموه بأسهامهم فتجدونهم في كل وقت وحين يستغلون أي فرصة تتاح لهم للنيل من نبينا صلى الله عليه وسلم فإما يقدحون فيه أو يسبونه أو يشتمونه أو يستهزئون به إما أن يصوروه عبر صور قذرة شنيعة قبيحة أو يحاولون أن يشينوا دينه وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام فوجدنا بعد ذلك المسلمين كل واحد منهم يحاول أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقليل منهم من سلك المسلك القويم ومن اتجه إلى السبيل المستقيم لأجل ذلك فمنهم من خرج في الشوارع ومنهم من رفع صوته ومنهم من فعل وفعل والأولى والعلم عند الله أن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفتح السير التي تحكي علينا حياته والتي تحكي علينا تضحيته وكيف قام بواجبه أمام ربه عز وجل وكيف قام بتبليغ رسالة ربه سبحانه وكيف صدق الله تبارك وتعالى في حقه حيث قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم وكيف يجب على المسلمين أن يمتثلوا أمر الله عز وجل حيث أمرنا جميعا أن نقتدي به في كل شيء فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فانطلاقا من هذه الحقيقة كان لزاما علينا أن نذكر إخواننا المسلمين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة وكل أخلاقه فاضلة بل هو الذروة العليا في جميع الأخلاق الفاضلة وحيث كان واجبا علينا أن نقتدي به وأن نستن بسنته كان لزاما علينا أيضا أن نبين للناس مدى هذا الكمال ومدى هذا الخلق الفاضل فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد فليس من اليسر ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأشد من ذلك أن نقلده في هذا وأشد من ذلك أن نقلده في هذا لكن نتمنى أن يوفقنا الله تبارك وتعالى لأجل القيام بشيء منها فكما قيل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح dans laquelle les gens
notamment ceux qui ont une haine et une animosité à l'égard de l'islam, se permettent à la moindre occasion d'attenter à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les dernières années, les attaques se sont multipliées à l'égard de notre prophète alayhi salatu wa sallam, que ce soit des attaques directes, des agressions verbales et gratuites à l'égard de sa personne ou encore à l'égard de son honneur, ou soi-disant à travers des caricatures dans lesquelles ils ont tenté de représenter le prophète alayhi salatu wassalam. Et on a vu les musulmans manifester leur colère de différentes façons. On en a vu certains sortir dans les rues, d'autres prôner à haute voix leur colère, mais beaucoup d'entre eux malheureusement n'ont pas choisi le bon moyen de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des choses, et Allah Ta'ala sait mieux, c'est qu'on revienne à la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on ouvre les livres d'histoire dans lesquels la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est racontée, afin que l'on sache à quel point il était parfait et à quel point Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit vrai lorsqu'il a dit de lui dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin azim, et certes tu es doué d'un caractère ultime, immense, d'un comportement grandiose. Car on lit le Coran et on lit les versets du Coran dans lesquels Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle du prophète alayhi salatu wassalam, mais malheureusement ça ne nous parle pas. Et un des meilleurs moyens de comprendre le Coran, c'est d'étudier la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit à quel point tous les bons caractères, tous les bons comportements, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était-elle l'astre luisant au milieu du firmament, était-elle l'étoile du berger pour celui qui est perdu dans le désert. Nul ni personne ne pouvait rivaliser avec lui dans les comportements les plus bons. Que ce soit dans la douceur, que ce soit dans l'indulgence, le pardon ou la miséricorde, que ce soit dans la patience, dans le courage et dans l'amour, que ce soit dans la générosité et dans l'altruisme, le prophète alayhi salatu wassalam était sans aucun doute le meilleur et le plus élevé. Et si les musulmans revenaient aux livres dans lesquels les savants ont réuni les récits du prophète alayhi salatu wassalam, dans lesquels on nous a décrit comment le prophète était sallallahu alayhi wasallam, que ce soit physiquement ou intérieurement, afin que l'on puisse voir comment est-ce que il a transmis le message de son Seigneur, comment il s'est sacrifié pour que les gens rentrent dans l'islam, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, l'amour qu'on aura envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera réel. Peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera mieux à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Comme Allah a dit dans le Coran, il y a certes pour vous, dans la personne du messager d'Allah, un excellent modèle pour celui qui croit en Allah et espère le jour dernier. Donc à partir de là, mes frères, on va bi'ibnillahi tabaraka wa ta'ala prendre un de ses comportements, une de ses qualités, seulement une, et essayer de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré à quel point Allah tabaraka wa ta'ala disait vrai lorsqu'il dit de lui wa innaka la'ala khuluqin azim. Et chacun des comportements du prophète alayhi salatu wassalam mérite des heures et des heures et des heures pour qu'on puisse lui donner son haq, son droit. Lakin hada juhdul muqil. Ça c'est l'effort de quelqu'un qui n'a pas fait grand chose. Et vous verrez que le sujet qui a été choisi, on l'a intitulé en arabe Qatrun nada fi joudi rasulil huda alayhi salat wa salam. Qatrun nada, un nada, mes frères, c'est la rosée du matin. Et le qatr, c'est la goutte, c'est la perle, cette goutte d'eau qui est formée par la rosée sur la feuille le matin lorsque tu sors. Et un nada en arabe aussi, ça indique la générosité. Ça indique la générosité.
Et ça a été choisi afin de montrer à quel point le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa générosité envers les autres, était aussi pur et aussi beau que cette perle d'eau qui se forme le matin à la rosée. Et lorsqu'on voit le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la façon dont il donnait ce qu'il possédait, on se dit, subhanallah, à quel point nous nous sommes loin. لماذا اخترنا هذه أو هذا الخلق أيها الأحباب لأننا نجد نقصا وتقصيرا عظيما في كثير من المسلمين فيما يتعلق بالجود والسخاء فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله وكم كرر الله تبارك وتعالى الأمر في كتابه العظيم بالإنفاق في سبيل الله وبإكرام اليتامى والمساكين والمحتاجين والفقراء ولكننا نجد أنفسنا قد سرنا بخلاء لا نريد أن نفرق أموالنا على الغير قد نمر على المسكين وهو يمد يده إلينا ولا نلقي له بالا وهم أحدنا أن يشتري تلفازا أكبر من تلفازه أو أن يبني قصرا أكبر من قصره أو أن يستبدل سيارة أفخم من سيارته ناسيا بذلك حقوق المساكين والفقراء عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم بسبب بخل الناس قد يحكم الله تبارك وتعالى ويقضي باستبدال هذا الخلق ليأتي بقوم آخرين يمتثلون أوامره ويقومون بالإنفاق في سبيله فلا تكن بخيلا فإن أردت إمساك مالك فاعلم أن هذا دليل أو هذا دليلا على بخلك وكما قال غير واحد من السلف ليس المال لك حتى تنفقه فإن أمسكته كنت أنت له وحيث أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة في الإنفاق والجود والسخاء كما سيتبين جليا لنا بعد قليل بإذن الله مفخار. Lorsqu'on examine un peu l'état des musulmans aujourd'hui, on remarque que malheureusement, l'amour de ce bas monde s'est ancré dans leur cœur et leur poitrine. On remarque que l'amour de l'argent s'est imprégné au fond de leurs âmes, à un point où ils éprouvent énormément de mal à dépenser leur argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on peut passer dans la rue et voir des gens, des pauvres qui mendient, qui tendent leurs mains vers nous. Et on arrive à avancer sans même les regarder, sans même leur prêter attention. Et au même moment, on réfléchit à la télé qu'on va remplacer. On a une télé déjà, mais nous, on en veut une autre plus grande. Alors on pense à celle qu'on va remplacer. On pense à la maison qu'on va bâtir, qui sera plus grande et plus belle que celle qu'on a déjà. On pense à la voiture qu'on va acheter, qui sera plus belle et plus rapide que celle qu'on a déjà. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on garde notre argent avec avarice, pas pour des besoins fondamentaux là, pour des futilités, pour des choses secondaires, qui sont même pas principales. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a répété de nombreuses fois et a ordonné de nombreuses fois aux musulmans de dépenser leur argent
dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a menacé les musulmans qui font preuve d'avarice en leur disant que celui qui est avare, il n'est avare qu'envers lui-même. Et Allah tabaraka wa ta'ala, huwa al-ghani, il est à l'abri du besoin, il n'a besoin de rien ni de personne. Alors que nous, nahnu al-fuqara, nous on est les besogneux, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghani al-hamid. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Oh vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Et Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Et il est digne de louange. S'il le voulait, il vous ferait disparaître et ramènerait à votre place une autre création. Et cela n'est point difficile pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et dans le verset de surat Muhammad alayhi salatu wa salam, le dernier verset de la surah, Allah Ta'ala dit فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ, il y en a parmi vous qui sont avares. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ, et celui qui est avare, il est avare qu'envers lui-même, c'est tout. C'est lui qui s'est privé, il n'a pas privé les autres. Parce qu'Allah dans le Coran, quand il te dit de dépenser, il te dit qu'il te donnera plus encore. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tout ce que vous dépensez comme bien, Allah il lui donnera suite. Allah il lui donnera succession. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Lorsque votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, eh bien je vous rajouterai. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا, et si vous vous détournez, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, il vous remplacera par un autre peuple. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ, ils ne seront pas comme vous. Ils ne seront pas comme vous. Et comme Allah dans le Coran, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour nous qui croyons en Allah et qui espérons le jour dernier pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer réellement cette récompense si on ne suit pas le prophète alayhi salatu wassalam, si on ne le prend pas comme exemple, comme modèle dans toutes les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous. Et lorsqu'on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait, wallah, on doit tous avoir honte. Parce que le riche qui donne, il n'est pas comme le pauvre qui donne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لو أراد لكان ملكا من ملوك هذه الدنيا كما جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه ذات يوم فوجده نائما على حصيرة له قد أثرت في جنبه حصيرة حقيرة خفيفة فتأثر عمر رضي الله عنه من هذا المنظر وأجهش بالبكاء حتى أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فلما تنبه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عمر باكيا قال له ما يبكيك يا عمر فقال رضي الله عنه يا رسول الله لقد رأيتك في هذه الحال وتأملت في ملوك كسرى في ملوك الفرس والروم كسرى وقيصر وما يتنعمون فيه من القصور وقلت صفوة الله من خلقه على ما أرى وكسرى وقيصر يتقلبون في النعيم فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه وقال أو في هذا يا ابن الخطاب أو في هذا يا ابن الخطاب إم أهؤلاء قد عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا أما ترضى يا عمر أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا فرضي عمر بذلك وحق لكل مسلم أن يرضى بذلك أليس الله تعالى يقول والآخرة خير لك من الأولى ولكنه يقول أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا.
والآخرة خير وأبقى. عمر رضي الله عنه mes frères, un jour il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le trouve en train de dormir sur une paillasse, yani un petit tapis confectionné avec des fibres très fines. Et pendant que le prophète alayhi salatu wa sallam dormait, les fibres de la paillasse se sont imprégnées sur le dos du prophète alayhi salatu wa sallam. Alors Omar radiallahu anhu, en voyant cela, il est touché, il est attristé, il est peiné de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivre ainsi. Et il se met à pleurer, et en pleurant il réveille le prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète étonné lui demande: pourquoi pleures-tu à Omar? Alors Omar lui dit radiallahu anhu: ya Rasulallah, je t'ai vu dans un tel état et j'ai pensé au roi de la Perse ou encore de l'empire romain et byzantin qui vivent dans le luxe et le confort alors que toi tu es l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu es ainsi. Alors le visage du prophète alayhi salatu wassalam il a changé et il s'est mis en colère. Il a dit: quoi ya Omar, est-ce pour cela que je vous ai transmis le message? Là, ceux-là, leur bonheur, leurs bienfaits, leur ont été accélérés ici-bas. Ils n'auront rien dans l'au-delà. Ils n'auront rien dans l'au-delà. Man kana yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Celui qui veut la vie d'ici-bas, nous le rétribuerons pleinement ici-bas pour ses actions. On lui donnera tout ce qu'il mérite ici-bas en fonction de ses actions. Et on ne les laissera point, on ne leur fera pas de tort ou d'injustice. Mais ceux-là, le jour du jugement, يوم القيامة, dans l'au-delà, ils n'auront que le feu de l'enfer. Ils n'auront que le feu de l'enfer. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في هذه الدنيا. Ceux-là sont des gens dont les bienfaits et le bonheur leur a été accéléré ici-bas, car ils n'auront rien dans l'au-delà. Ne serais-tu pas satisfait de savoir, ô Omar, que nous, on va avoir l'au-delà, pendant que eux, ils auront ce bas monde. Ce bas monde qui ne dure que quelques instants. Ce bas monde qui est voué à disparaître. Alors Omar radiallahu anhu a été satisfait par la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est un devoir pour chaque croyant d'être satisfait de cela aussi. Allah ne dit-il pas dans le Coran: et l'au-delà est meilleur pour toi que ce bas monde. Mais Allah ta'ala il dit aussi: mais vous préférez ce bas monde alors que l'au-delà est meilleur et dur éternellement. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا احبابي يا اخواني جوده ما جوده جود لا يوارى ولا يبارى. Le prophète عليه الصلاه والسلام avait une générosité inégalable et incomparable. يؤثر غيره على نفسه. Il préférait les autres avant lui-même. Car Allah dans le Coran, lorsqu'il fait les éloges des croyants sincères et véridiques, il dit: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même s'ils sont touchés par une grande famine. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ مَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ الْمَحْمُودَةِ الْكَرِيمَةِ. Et le prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ est le meilleur de ceux qui furent décrits avec ces qualités louable et merveilleuse. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqtaridu ash-shay'a fayaruddu akthara minha wa kana yashtari ash-shay'a bi akthara min thamanihi li ajli idkhal as-sururi fi nafsi ikhwanihi min al-muslimin. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les différentes facettes de sa générosité, lorsqu'il empruntait quelque chose, eh bien, il rendait toujours cette chose-là et plus encore. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il achetait quelque chose, eh bien, il l'achetait toujours plus cher que son prix. Il demandait: c'est combien ça? On va dire, مثلا, 10 dirhams. Il dit, tiens, 15 dirhams.
لأنه هو القائل صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى. Car il a dit alayhi salatu wassalam qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent quand il vend, qui est indulgent quand il achète et qui est indulgent quand il récupère un prêt qu'il a, une somme qu'il a prêtée. أما احنا اليوم فحدث ولا حرج ربما تقف مع البائع ربع ساعة أو نصف ساعة لأجل أن ينقص من 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 الثمن أو من من السعر بغض النظر عن أحواله الشخصية. فقد يكون ذلك التاجر في أمس الحاجة إلى المال، لكن همك الوحيد أن تربح هذا الشيء بثمن بخس دراهم معدودة. كمون إن وجودي On est capable de rester un quart d'heure, une demi-heure des fois plus. On a chef toi, had khtra. Bqa sa'tayn itchatr ma'a at-tajir 'ala ajli an yukhfid lahu 50 riyal bas. Moi je n'ai vu une fois, il est resté 2 heures avec un vendeur pour lui enlever 50 riyal. 50. On est capable de rester longtemps et on s'en fiche de l'état du vendeur. On s'en fiche, il peut être pauvre, il peut être dans le besoin, c'est pas mes affaires. Moi ce qui compte c'est qu'à la fin j'ai réussi à acheter ça la moitié de son prix. Wa an-nabi yaqulu sallallahu alayhi wa sallam rahima Allah rajulan samhan idha ba' samhan idha ishtara. Quand tu vends, ismah. Sois indulgent, pardonne. Quand tu achètes, ismah. Il te demande 15 et Allah donne lui 15. Donne lui 20, gars, comme le prophète faisait alayhi salatu wa sallam. La takunu illa rabihan bimithli hadhihi al-mu'amala. Wallahi, il y en a, je sens ainsi, tu ne seras que un gagnant. Tu ne gagneras qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mimma yata'ajabu minhu al-mar fi haqqi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna sururahu, iza a'ta, ashaddu wa a'zam, min sururi alladhi akhadha al-ata. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des choses qui étonne le plus, c'est que la joie qu'il éprouvait en donnant une chose était plus grande que celle que celui qui recevait la chose éprouvait. La joie que le prophète alayhi salatu wassalam éprouvait en donnant était plus grande que celle que, qu'éprouvait celui en acceptant, en recevant le don du prophète alayhi salatu wassalam. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma kana rasulullah sallallahu alayhi wassalam ajwad an-nas. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه من dit que le prophète صلى الله عليه وسلم était l'homme le plus généreux parmi les gens. Et le moment où il était le plus généreux, c'était pendant le mois de Ramadan, lorsque Jibril عليه السلام venait le voir afin qu'ils étudient le Coran ensemble. Et la joie que le prophète عليه الصلاة والسلام éprouvait en étudiant le Coran avec Jibril عليه السلام était telle qu'elle le poussait à être encore plus généreux qu'il l'était d'habitude. À un point où il disait Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, fal rasulullahi, sallallahu alayhi wa sallam, ajwadu bil khayr, min al-rih al-mursala. Il était encore plus généreux avec le bien que les vents envoyés. Les vents envoyés qui annoncent la venue de la pluie et qui prennent avec eux les graines afin de les parsemer sur toutes les parcelles de terre. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه مال أو إذا رزق بشيء فرقه يمينا وشمالا ولم يدخره لغد حتى كانت من أعظم أمنياته أن يتحول جبل أحد ذهبا حتى ينفقه في سبيل الله. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il recevait de l'argent ou qu'on lui donnait quoi que ce soit, il le distribuait instantanément à droite et à gauche. Il ne gardait rien pour le lendemain.
à un point où un de ses vœux les plus chers, c'était que la montagne de Uhud soit transformée en or, afin qu'il puisse la distribuer, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة أمام أحد فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل ذهب مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا يشير بيده إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الأمام وإلى الخلف ثم مشى عليه الصلاة والسلام ثم قال إن الأكثرين هم المقلون الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم وقليل ما هم أبو ذر رضي الله عنه نجيك المخشب avec le prophète صلى الله عليه وسلم à Médine devant la montagne de Uhud. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام l'appelle oh Abu Dhar, et Abu Dhar répond j'accours à ton service, j'accours à ton appel, ô messager d'Allah. Alors le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, rien ne me réjouirait plus que d'avoir l'équivalent de la montagne de Uhud en or et de ne pas en garder quoi que ce soit après 3 jours. Donc imagine-toi juste la montagne de Uhud, pour ceux qui y sont déjà allés et qui l'ont vu de leurs propres yeux, imagine-toi son équivalent en or. Eh bien, le prophète, il disait, alayhi salatu wassalam, si j'avais l'équivalent de Uhud en or, je n'aimerais pas qu'il me reste quoi que ce soit de cet or-là après 3 jours. Sauf si c'est pour garder un peu pour rembourser une dette. Qu'est-ce que j'en ferais? Eh bien, je le distribuerais aux serviteurs d'Allah, en donnant devant moi, en donnant derrière moi, en donnant à droite, en donnant à gauche. Après avoir dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de marcher. Après, il dit à Abu Dhar radiyallahu anhu, inna al-aktharin humul muqilloun al-aqalloun yawm al-qiyama. Al-aktharin, ce sont ceux qui cherchent toujours à avoir plus d'argent. Ceux qui cherchent toujours à amasser et accumuler l'argent. Hein? Qala ta'ala al-haakum al-takathur. Hatta zurtumul maqabir. La surenchère vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombeaux. Tjma' 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 wa tansa wajibaka ma'a Allah thumma ya'tika al-maut baghtatan wa anta la tash'ur bidun an tu'addi haqq Allah 'alayk. Tu ramasses en oubliant ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que la mort vienne soudainement prendre ton âme sans que tu n'aies pu t'acquitter de ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-aktharin humul aqalloun al-muqilloun al-aqalloun. Yani, ce seront ceux qui auront le moins le jour du jugement. Ce seront ceux qui auront le moins le jour du jugement. Sauf celui qui donne devant lui, qui donne à sa droite, qui donne à sa gauche, qui donne derrière lui, avec l'argent qu'Allah Ta'ala lui a donné. Wa qalilum ma hum. Et les gens comme ça, wallah, ils sont une minorité. Ils sont très peu. Wa kana min hadha al-bab Umar radiyallahu anhu yukthiru min an yaqul Allahumma ij'alna min al-qalil. فتعجب الناس من هذا الدعاء ولم يفهموا المراد منه فسألوه قالوا يا أمير المؤمنين نراك تكثر من قولي اللهم اجعلنا من القليل فما قصدك بهذا فقال عليه رضوان الله أن الله تبارك وتعالى يذكر القليل أو القلة في القرآن ويمدحها في عدة مواضع منها قوله تعالى
وما آمن معه إلا قليل. وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فاللهم اجعلنا من القليل. عمر رضي الله عنه il avait l'habitude de demander à Allah Ta'ala de faire qu'il fasse partie de la minorité. Et il le répétait souvent. Et les gens ne comprenaient pas. Et lui dire un jour, ô commandeur des croyants, souvent nous t'entendons répéter une invocation qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ô Allah, fais qu'on fasse partie de la minorité. Alors il a répondu, radiyallahu anhu, la minorité, Allah Ta'ala l'a souvent cité dans le Coran avec des louanges en faisant leurs éloges. Et j'aimerais faire partie de cette minorité-là. Allah dit dans le Coran, en parlant de Nuh, alayhi salam, fais monter dans le bateau ceux qui ont cru avec toi, mais très peu a cru avec lui. Et encore Allah Ta'ala, il dit, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et Allah Ta'ala, il dit, sauf ceux qui croient et qui agissent vertueusement, et ils sont certes très peu. Et Allah Ta'ala, il dit en parlant des gens du paradis, une multitude parmi les premiers et une minorité parmi les derniers. Alors, c'est pour ça que je demande à Allah que je fasse partie de la minorité. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla dhata yawmin salat al-asri wa ba'da an faragha minha qama sari'an ila baytih حتى استغرب الصحابة رضي الله عنهم فلما قفل عائدا إليهم سألوه يا رسول الله ما الذي أخرجك من عندنا أو من بين أيدينا بهذه السرعة فقال عليه الصلاة والسلام ذكرت وأنا في الصلاة تبرا أي ذهبا فكرهت أن يمسي عندنا فأمرت بقسمته. Un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria la prière de l'Asr avec ses compagnons radiyallahu anhum, juste après la prière, il s'est levé et est parti rapidement chez lui. Et les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a quittés aussi rapidement. Alors, un peu plus tard, lorsque le prophète les a rejoints alayhi salatu wa sallam, ils lui dirent, Ya Rasulallah, pourquoi nous as-tu quitté si précipitamment? Il a répondu, radiyallahu alayhi salatu wassalam, je me suis souvenu durant la prière que j'avais de l'or à la maison. Et j'ai éprouvé de l'aversion à ce que cet or, il reste chez moi aujourd'hui. Alors je me suis précipité pour le prendre et le distribuer parmi les gens. Ma église d'Af Bartai. Wa huwa al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. وحنا النساء تاعنا عندهم هذوك الاحزمه تاع الذهب التي وزنها ثقيل ها اينو البروفيت عليه الصلاه والسلام خير خلق الله وصفوه الله عز وجل il veut pas que de l'or reste chez lui, il veut pas, et dès qu'il se rappelle qu'il a de l'or il va le distribuer. Moi je garde pas cet or là, nous l'or chez nous comme dans les banques, il y a des coffres et t'as de l'or dedans. Nos femmes, elles ont des ceintures en or, elles pèsent des kilos. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa khayrujuha akhtara fi al-aam wa akhtara kull 'aamayn wa akhtara kull 5 sanawat tabqa fi hadhihi al-khazana. Même s'il la sort une fois dans l'année, deux ou des fois une fois tous les 5 ans, mais il la garde. النبي صلى الله عليه وسلم كما اشتهر عنه ما كان يعرف لا إلا في تشهده يعني عند قوله لا إله إلا الله. أما ما سوى كلمة التوحيد فما كان يعرف لا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصفونه. قال جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. Le prophète عليه الصلاة والسلام ne connaissait pas le mot non, la négation, sauf dans une phrase.
La ilaha illallah. C'est la seule phrase où il disait non. Sinon, il disait jamais non, alayhi salatu wassalam. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a jamais demandé quelque chose. Et il a dit non. Chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il disait oui. Il disait pas non. In wajada ajad. Wa in ajada a'ad. Wa in lam yajid wa'ad. Wa la yukhliful mi'ad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait, eh ben, il donnait. Et quand il donnait, eh ben, il recommençait. Et s'il ne trouvait rien à donner, alors il promettait et jamais il trahissait ses promesses. Sallallahu alayhi wa sallam. Rawal Bukhari an Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, qal. أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها. يا لها من مؤمنة تهب أغلى ما لديها لأغلى من لديها صلى الله عليه وسلم لأنه أحب الناس إليها كما هو شأن كل مؤمن صادق مخلص فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلينا وإنها لإزار يعني اتزر بها وكان هناك رجل جسها ومسها بيده يعني هذه البردة وقال يا رسول الله اكسينيها ما أحسنها اكسينيها ما أحسنها يعني اعطيها لي شحال هي زوينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي لك فجلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم ما شاء الله في ذلك المجلس ثم رجع فطواها وأرسل بها إلى ذلك الرجل واشتد غضب الصحابة رضي الله عنهم وهم يشهدون هذا الموقف فزجروه ونهروه وقالوا ما أحسنت سألته إياها وقد عرفت أنه لا يرد سائله فبين الرجل مراده وهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكسوة فقال والله ما سألتها لألبسها وإنما لتكون كفني يوم أموت قال سعد رضي الله عنه فكانت كفنه يوم مات سهل بن سعد رضي الله عنه il nous rapporte qu'une femme avait tissé et brodé une tunique à l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue, elle lui a dit, ô messager d'Allah, je t'ai tissé et brodé une tunique afin de t'en vêtir. Et là on voit une fois de plus chez les croyants sincères et véridiques à quel point ce qui a le plus de valeur pour eux revient à ceux qui ont le plus de valeur pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela doit être le cas pour n'importe quel croyant véridique et sincère. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta la tunique. Une tunique que cette femme-là a tissée et brodée pendant de longues journées avec patience, ferveur et attention. Le prophète, il avait besoin de cette tunique-là, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme la plupart d'entre nous à collectionner des centaines de vêtements différents qui dorment dans nos placards et qui prennent la poussière et qui finissent à la poubelle, alors que beaucoup de nos frères et sœurs musulmans et musulmanes ici et là n'arrivent pas à trouver de quoi se vêtir lorsqu'il fait froid. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il en avait besoin et il s'en est fait un panier. Yani, il s'est couvert avec le bas du corps, de la taille jusqu'aux chevilles, du moins au-dessus des chevilles, bien sûr. Et il y avait un homme
qui assistait à la scène, qui épiait d'où il se trouvait. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé à examiner la tunique et à la toucher. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, quelle merveilleuse tunique, donne-la moi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit d'accord. Alors il reste avec eux dans l'assise jusqu'à ce qu'il décida de partir. Et comme il était habillé avec, il est rentré chez lui. Après, il l'a plié et l'a envoyé à l'homme qui lui a demandé. Et les compagnons radiallahu anhum qui étaient présents se sont énervés, se sont mis en colère, ils lui ont crié dessus. Il lui a dit, Wallah, tu as fait n'importe quoi. Pourquoi tu lui as demandé? Alors que tu sais très bien que jamais il dit non à celui qui lui demande quelque chose. Ça leur a fait de la peine. Une femme qui passe autant de temps à coudre et à tisser et à broder une belle tunique qu'elle offre au prophète de tout son cœur, alayhi salatu wassalam, pour lui montrer son amour. Et le prophète, il l'accepte, alors qu'il en a besoin, parce qu'il n'a pas de vêtements pour pouvoir se couvrir, ou très peu. Et tu lui demandes. Alors il leur dit, Wallahi, je ne lui ai demandé que pour en faire mon linceul le jour où je mourrai. Et Sahl radiallahu anhu, il dit, et effectivement, le jour où il est mort, eh bien, c'était son linceul. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne connaissait pas le mot non. Sauf quand il disait, La ilaha illallah. Wallahi min a'zami suwaril jud, wa kam hiya kathira. جود النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لأجل إدخالهم في الإسلام. والله quand tu regardes un peu comment le prophète il était généreux عليه الصلاة والسلام, tu vas voir à sa générosité toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et mais parmi ces couleurs, une des plus étonnantes, c'est celle qu'il utilisait dans le but de faire rentrer les gens dans l'islam. Tu te vois toi aller voir les gens dehors à leur dire, je te donne 1000 euros, tu deviens musulman. Personne ne va faire ça aujourd'hui. Alors que le prophète dit, alayhi salatu wassalam, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Que tu sois la cause de la guidée d'une seule personne est meilleure pour toi que les chamelles rousses. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wassalam, il donnait d'énormes sommes et d'énormes quantités de biens afin que les gens y rentrent dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'il sait que la plupart des gens, il est plus facile de les attirer vers soi avec leur ventre qu'avec leur cœur. Et beaucoup de gens, tu peux essayer de leur remplir la poitrine, il n'y a rien qui rentrera. Mais si tu veux leur remplir le ventre, ils te disent « Ya marhaba, ya marhaba ». Et lorsqu'on voit la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, notamment le souci qu'il avait de faire rentrer les gens dans l'islam, il ne laissait passer aucun moyen possible pour que les gens embrassent cette religion. قال أنس رضي الله عنه إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أنس رضي الله عنه يجي il y avait des gens qui ne se convertissaient à l'islam que par amour envers ce bas monde, mais wallahi quand ils devenaient musulmans, eh bien, l'islam leur était préféré à ce bas monde, à ce qu'il contenait. Et c'est là que tu vois à quel point nous, on n'a pas compris. Quand on voit les gens, مثلاً, أضرب لكم على سبيل المثال, هؤلاء الناس الذين يأتون المسلمين لأجل أن يتزوجوا ببناتهم ونحن نعيش فيما بينهم. À titre d'exemple, ces hommes qui viennent frapper à nos portes pour épouser des musulmanes, nos filles, nos sœurs. Et comment s'étonner de cela alors qu'on vit parmi eux? On s'étonne de cela alors que on a laissé nos enfants aller dans les mêmes écoles qu'eux et être leurs amis dehors et discuter avec eux ici et là. Et après, on s'étonne pourquoi ils viennent demander nos filles en mariage. Mais si on réfléchissait vraiment et qu'on se disait que c'est une occasion pour faire rentrer les gens dans l'islam, eh bien, on le ferait. Ummu Sulaym, radiallahu anha, la mère de Anas ibn Malik. Il y a un homme, il lui a demandé en mariage. Un homme bon, mais ce n'était pas un musulman. Elle lui a dit, Mithluka la yurad, lakinna karajul al kafira.
وإن الله حرم علينا أن نتزوج الكفار. فإن أردت أسلمت ورضيت بإسلامك صداقا. أم سليم رضي الله عنها elle a été demandée en mariage après la mort de son mari par un homme. Un homme bon et vertueux, mais qui n'était pas un croyant. Alors Umm Sulaym radiallahu anha lui a dit, un homme comme toi, on ne peut pas lui dire non. Lorsqu'il demande en mariage, mais tu es un mécréant. Et moi je suis une croyante. Et Allah il m'a interdit d'épouser un mécréant. Alors si tu veux, convertis-toi à l'islam et ta conversion me suffira comme dot. Elle a été la première femme de l'islam à s'être mariée et avoir accepté comme dot l'islam, la conversion de son époux. Et c'était ça les gens qui comprenaient la vérité et la réalité des choses. Mashibhanna, ayqad niyamu, comme a dit le Zahabi, rahimahullah, fi baytillah, wa nahnu idha umirna aw nuhina ka ahli al-kahfi. Et nous, lorsqu'Allah nous ordonne ou nous interdit, on est comme les gens de la grotte. Ahlul Kahf. Ayqadun, réveillé, niyamu, endormi. Watahsabuhum ayqadun, wahum ruqud. Tu croyais qu'ils sont réveillés, mon vrai, ils dorment. Al-Muhim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il proposait de l'argent aux gens. Il leur offrait des cadeaux pour qu'ils se convertissent à l'islam. Nous, ils viennent chez nous, ils frappent. Je voudrais épouser votre fille. On lui dit quoi? Non, 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 t'es pas un musulman, tu pars. Là, je lui dis d'accord, mais à une condition, tu deviens musulman. Et vous allez me dire, ouais, mais il va se marier que pour. Il va devenir musulman que pour se marier. On va dire, oui, c'est vrai. Mais là, Allah Ta'ala yudkhilu fi qalbihi l'iman fa yusbihu khayran mink. Peut-être qu'Allah Ta'ala, il va mettre dans son cœur la foi et il deviendra meilleur que toi. Parce qu'on est loin d'être meilleur. C'est pas difficile d'être meilleur que nous, Allah. على كل حال كان هناك رجل من الكفار بل من أشد الأعداء على الإسلام والمسلمين صفوان ابن أمية ابن خلف أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هؤلاء لا يخاطبون بالكلام اللين وبالحكم النيرات لكنهم يحتاجون إلى طريقة مختلفة في الخطاب فبعد غزوة حنين أقبل إليه أو أقبل عليه يعني أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعطاه 100 من الإبل فتعجب صفوان وقال في نفسه كيف يكرمني محمد وقد فعلت وفعلت له ولأصحابه وإخوانه فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه زاده 100 فصارت 200 فازداد تعجب صفوان فزاده 100 فصارت 300 فأسلم صفوان رضي الله عنه وقال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. صفوان ابن أمية ابن خلف n'était pas un croyant. Et plus que ça encore, il était un ennemi acharné de l'islam et des musulmans. Et de nombreuses fois, il a fait du mal aux musulmans. Après la bataille de Hunayn, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit. Et il lui propose, il lui donne 100 chameaux. 100 chameaux. À titre indicatif, 100 chameaux, c'est la diya pour al-maqtoul khata'an. Quand quelqu'un est tué un musulman par erreur, il doit payer une diya. On appelle ça le prix du sang. Et pour un homme, c'est 100 chameaux. Aujourd'hui, ça équivaut à peu près à 50 000 euros. Ça équivaut à peu près à 50 000 euros. Alors, il lui donne 100 chameaux. Et Safouane, il s'étonne. Il dit, comment ça se fait? Pourquoi Mohammed me donne 100 chameaux alors que j'ai été
mauvais et dur envers lui, sa religion et ses partisans. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, y voit l'étonnement de Safwan. Et il considère cet étonnement-là comme étant une brèche qui s'est ouverte, dans laquelle il a pu rentrer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui rajoute encore son chameau. Ça fait 200. 100 000 euros. Et là, Safwan, subhanallah, bin Hassan al-Hal, il dit, Kayf, ana hada al-adou. Je suis cet ennemi-là envers lui, il donne 200 chameaux. Ses yeux, ils s'ouvrent. Sa bouche aussi, tout en lui s'ouvre. Et Inch'Allah, son cœur aussi, avant tout ça. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui donne le coup de grâce. Et il lui rajoute encore 100 chameaux. Ça fait 300 chameaux. Billah Alek, tu vas dans la rue là. Et tu vois les gens passer, tu leur dis, celui qui devient musulman, je donne 150 000 euros. Ils vont pas tous courir, ils vont dire la ilaha illallah. Tout le monde va dire ça. Même des musulmans vont dire, mais moi je suis musulman. Ala kulli hal. Quand Safwan y reçoit cet énorme don de la part du prophète alayhi salatu wassalam, ma yamliku illa an yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Il n'a pas pu dire autre chose que reconnaître qu'Allah tabaraka wa ta'ala était le seul à mériter l'adoration et que certes toi Muhammad tu es son messager. Et il a dit radiyallahu anhu, il a dit après, wallahi, le messager d'Allah m'a donné ce qu'il m'a donné, alors qu'avant cela il était la personne que je détestais le plus parmi les gens. Et après, wallah, il était celui que j'aimais le plus parmi les gens. Il était celui que j'aimais le plus parmi les gens. جاءه رجل يعني جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من فضله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فذهب الرجل إلى قومه وهو يصيح يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة من لا يخشى الفقر فأصبح الناس يسلمون ويتنادون حي على الفلاح حي على الفلاح. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'il ait vu sa générosité, il n'était pas musulman. Il a dit, donne-moi moi aussi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un troupeau de moutons se trouvant entre deux montagnes. Quand l'homme a vu ça, il est parti en courant chez son peuple et en criant, oh mon peuple, convertissez-vous à l'islam, car Mohammed fait preuve d'un don d'une personne qui ne craint pas la pauvreté. Quelqu'un qui a tellement que quand il donne, il sait qu'il ne sera pas pauvre. Alors il donne. Dans quel but? Dans le but à ce que les gens rentrent dans l'islam. Et les gens, en entendant cela, se précipitaient les uns après les autres auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en criant « Hayya ala al-falah » Accourez à la réussite. Accourez à la réussite. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجود على الكل ومن باب أولى أن يجود على أصحابه الكرام الذين بذلوا النفس والنفيس في سبيل الله وآثروا شخصيته عليه الصلاة والسلام على أنفسهم وعلى آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختلع من الأساليب ما يتعجب منه الفاطن الذكي في أن يقر أعينهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم était généreux avec tout le monde. Et forcément, il le sera encore plus avec ses compagnons, ses preux compagnons, ses vaillants et courageux compagnons, ceux qui ont tout sacrifié pour lui et qui l'ont préféré à tout ce qu'ils pouvaient posséder, que ce soit leur bien ou bien encore leurs proches et leurs familles. Rien n'avait plus de valeur à leurs yeux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont prouvé, radiyallahu anhum wa ardahum. Ils l'ont prouvé. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il était généreux et qu'il savait que le reconnaissant,
c'est celui qui n'oublie pas le bien qu'on nous fait et qui le rend quand il le peut. Alors le prophète alayhi salatu wassalam cherchait tous les moyens possibles et des voies les plus minutieux, les plus ingénieux pour offrir à ses compagnons radiallahu anhum des choses dans le but de leur faire plaisir. اسمعوا إلى هذه الحكاية إلى هاتين الحكايتين. روى جابر رضي الله عنه فقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر على جمل قد أعيا، إنما هو في آخر القوم، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا؟ قلت: جابر يا رسول الله. قال: ما لك؟ فقال: إني على جمل أعيا بي يا رسول الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بقضيب فسار سيرا ليس يسير مثله أو ليس يسير مثله، فكان في أول القوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني هذا الجمل. فقال جابر رضي الله عنه: هو لك يا رسول الله، لا أبيعه لك بل أهديه إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بعنيه بأوقية أو قال بأربعة دنانير، والأوقية ما يساوي تقريبا 30 جرام من الذهب. فقال جابر رضي الله عنه: بعتكه يا رسول الله على أن لي ظهره إلى المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. فلما قدمنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال اقضي جابرا وزده، يا بلال اقضي جابرا وزده على ما اتفقنا عليه. فقضاه وزاده قيراطا. فقال جابر رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان ذلك القيراط يفارق جراب جابر رضي الله عنه. قال جابر: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت عليه وعقلت الجمل عند الباب، ثم أتيته وقلت: هذا جملك يا رسول الله فخذه. فخرج يطيف بالجمل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الثمن والجمل لك يا جابر، الثمن والجمل لك يا جابر. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما il nous raconte un jour qu'en rentrant de voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur un chameau fatigué. Il avançait lentement. Il était tout à la fin du groupe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude pendant le voyage de partir et de revenir pour voir l'état de ses compagnons. Il arrive à la fin du groupe et voit le dernier, le retardataire. Il dit: c'est qui là? Et Jabir dit: c'est Jabir ya Rasulallah. Alors le prophète lui dit alayhi sallam: qu'est-ce que tu as à être à la fin? Il dit: ya Rasulallah, mon chameau il est fatigué, il n'arrive pas à aller plus vite. Alors le prophète il avait un bâton alayhi sallam, il a mis un coup au chameau et il est parti en fusant à un point où personne ne pouvait le rattraper. Lorsque le prophète il a rejoint Jabir radiallahu anhu, il lui a dit: vends-moi ton chameau, vends-moi ton chameau. Alors Jabir lui dit radiallahu anhu: ya Rasulallah, il est à toi, je te l'offre, je te le donne, je vais vendre quelque chose au prophète moi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: non, tu vas me le vendre bi-awqiyatin min dhahab. Al-awqiyat, c'est une mesure que les arabes utilisaient qui équivaut à peu près à 30 grammes d'or. Ou qala arba'ata dananir, ou 4 dinars qui étaient la monnaie en or de l'époque. Alors, Jabir radiallahu anhu, il accepte. Il dit: je te le vends alors, on se met d'accord sur ce prix-là, mais à une condition, c'est que tu me le laisses jusqu'à ce qu'on arrive à Médine. Pourquoi tu l'acceptes, alayhi salatu wassalam? Ils arrivent à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Bilal de payer Jabir et de lui rajouter. Paye-lui et rajoute-lui. Ils sont mis d'accord sur Awqiyah, 30 grammes d'or, 4 dinars. Il m'a dit: bah, rajoute-lui.
et lui a rajouté un qirat. Pareil, le qirat, c'est une unité de mesure. Un poids d'or. Il lui a rajouté encore plus d'or qu'il lui avait promis. Et Jabir radiallahu anhu, il a dit, Wallahi, ce surplus que le prophète m'a rajouté, alayhi salatu wassalam, je m'en suis jamais séparé. Il l'a toujours gardé dans sa bourse, sur lui, toujours. Alors Jabir radiallahu anhu, qui a récupéré l'argent, alors il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va à la mosquée, et il ramène le chameau qu'il accroche à la porte de la mosquée. Ensuite, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, voilà le chameau qui t'est dû, il t'attend là-bas. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'est levé et il a fait un tour autour du chameau et il a dit à Jabir radiallahu anhu, Ya Jabir, le chameau et l'argent, ils sont pour toi. Le chameau et l'argent, ils sont pour toi. Regarde-le. Tout le cheminement, juste pour lui offrir de quoi lui faire plaisir. Il lui propose de lui acheter un chameau qui est fatigué à un prix qui est largement au-dessus de sa valeur. En plus, il lui rajoute et à la fin, il lui laisse avec l'argent en plus. وهناك قصة أخرى من هذا القبيل يرويها ابن عمر رضي الله عنهما فيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر أي لأبيه فكان يغلبني وأتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال عمر رضي الله عنه كما قال جابر من قبل هو لك يا رسول الله وحاله كل ما أملكه لك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصرا على طلبه بعنيه يا عمر فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم عبد الله هو لك يا ابن عمر تصنع به ما شئت. Abdullah ibn Umar nous raconte une histoire à peu près identique. En voyage, pareil, Abdullah ibn Umar était sur un petit chameau, un enfant, un petit chameau, qui était désinvolte, hein, qui ne se laissait pas faire. Et Abdullah ibn Umar n'arrivait pas à le conduire. Et le chameau, il avait le dessus sur lui. Et des fois, il allait devant les gens. Et le père de Umar, le père de Abdullah, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, il criait sur Abdullah. Dis d'où tu viens devant nous, toi? Retourne derrière. Et il le renvoyait derrière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il assiste à cela. Alors, il va voir Omar, radiallahu anhu, il lui dit, parce que la bête sur laquelle se trouvait Abdullah appartenait à son père, Omar. Il lui dit, ah, Omar, vends-moi ce chameau. Alors, Omar lui dit, Ya Rasulallah, il est à toi. Tout ce qu'il possède, c'est à toi. Quand il a fait, non, tu vas me le vendre. Alors, ils se mettent d'accord sur un prix. Et juste après, le prophète va voir Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, lui dit, ce chameau est désormais à toi, fais-en ce que tu veux. Ce chameau est désormais à toi, fais-en ce que tu veux. Il l'a acheté à son père pour l'offrir à son fils. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yaqtasir ala an yajuda ala aqaribih ou ala ahli zamanih. بل جاد علينا جميعا أيها المسلمون وبماذا جاد؟ هل جاد علينا بماله؟ لا جاد علينا بدعائه وبشفقته علينا فمن منا يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد قول الله عز وجل طيلة الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يقولها في الصلاة والناس نيام والدموع تسيل على خديه الكريمتين الشريفتين عليه الصلاة والسلام ثم يقول يا ربي يا ربي أمتي أمتي يرددها ويكررها ولم يزل باكيا عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لجبريل وهو يسمع
مناجاة نبيه ورسوله ومصطفاه يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فجاد عليك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بأن ذرفت عيناه شفقة بك. وكذلك في الآخرة إذا كان شعار الناس يوم القيامة نفسي نفسي هلم إلى غيري، كان شعاره عليه الصلاة والسلام أمتي 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 أمتي. فجاد عليك أيها المسلم في الدنيا والآخرة، وهذا من أعظم وأبرز صور الجود التي عرفتها الإنسانية. Vous savez, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été seulement généreux avec ceux qui étaient autour de lui, ceux qui ont vécu autour avec lui à son époque, mais il l'a été aussi envers tous les musulmans, à toutes les époques, à tous les siècles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné à nous aussi. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Des moutons, des chameaux, des vêtements, de l'argent? Non, plus que ça encore. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en notre faveur, par miséricorde envers nous. Il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala, il a plutôt montré à Allah tabaraka wa ta'ala à quel point il avait peur pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Et personne ici ignore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé une nuit entière en prière à réciter un verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, si tu les châties, certes, ce sont tes serviteurs, mais si tu leur fais miséricorde, ou plutôt si tu leur pardonnes, si tu les châties, ce sont certes tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, alors certes, tu es puissant et sage. Et il le répétait en pleurant et en pleurant et en pleurant. Ses larmes coulaient à flot sur ses joues pures. Et celle. Et à la fin de la prière, il invoquait Allah Ta'ala en disant, « Oh Allah, ma communauté, ma communauté !» Il ne cessait de le répéter. Jusqu'à ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à qui rien n'échappe, et qui entend tout, et qui voit tout, et qui sait tout, il dise à Jibril alayhi salam, « Oh Jibril, va vers Muhammad et dis-lui, nous te satisferons dans ta communauté et nous ne t'attristerons pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ta communauté. On te fera plaisir dans ta communauté. » Et ça, mes frères, c'est pour ce bas monde, ici-bas. Cette invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, et cette manifestation d'amour et de miséricorde à notre égard, nous, les musulmans qui n'avons pas vécu avec lui et qui avons vécu après lui, elle est pour ce bas monde. Et le jour du jugement, un jour terrible où les gens oublieront père et mère, femme et enfant, frères et sœurs, amis proches ou lointains. Le jour où le symbole et la devise de tout le monde sera « moi d'abord », comme on dit, chacun pour sa peau. Tout le monde dira ça. Eh bien le prophète ce jour-là, alayhi salatu wassalam, il dira quoi ?« Ummati, 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 ummati. » Ma communauté, ma communauté, le jour où tout le monde oubliera tout le monde, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous oubliera pas, et une fois de plus, il nous offrira avec largesse et générosité ce qu'il peut nous donner. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yaktafi bi i'ta' al-mal, بل كان يجود من كل ما لديه، كان يجود على الناس بوقته، وهو رسول الله، وهو مربي الرجال، وهو أمير المؤمنين، وهو قائد الجيش، وهو رئيس الدولة عليه الصلاة والسلام. ومع هذا ما كان يحرم أحدا من وقته إذا احتاج أحد إليه. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait généreusement, son temps.
alors que c'est le messager d'Allah, le prophète d'Allah, c'est l'éducateur des hommes, c'est le général de l'armée, c'est le commandeur des croyants et le gouverneur de l'État. Une telle personne avec une telle fonction n'a pas beaucoup de temps. Encore moins à accorder à la masse, aux petites gens, comme on dit. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait pas ça. Il donnait du temps à tout le monde. Même ceux à qui les gens n'accorderaient pas d'importance ou d'attention. كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. أنس رضي الله عنه ينجي une esclave parmi les esclaves de la ville du prophète عليه الصلاة والسلام, يعني quelqu'un à qui on va pas donner d'importance, c'est pas un homme, c'est une femme. C'est pas un adulte, c'est un enfant. C'est pas un libre, c'est un esclave. Trois caractéristiques qui fait que la plupart des gens se désintéresseront d'eux. Une petite fille, esclave. Et pourtant, elle venait prendre la main du prophète, alayhi salatu wassalam, et elle partait avec lui. Et elle l'emmenait où elle voulait. Et il se laissait faire. Il disait pas, tu m'emmènes où là? Je sais pas, j'ai pas le temps plus tard. Je sais pas, tu viens me voir, toi t'es une esclave, qu'est-ce que t'as à me demander? Rien de tout ça. Elle prenait la main du prophète, alayhi salatu wassalam, elle partait avec lui, où elle voulait, elle l'emmenait, où elle voulait. Quant à nous, notamment, les personnes qui prennent la responsabilité de s'asseoir devant les gens, les personnes qui prennent la responsabilité de dire aux gens, Allah, il dit, le prophète, il dit, et bien quand les gens ils viennent les voir, ils leur disent quoi? J'ai pas le temps plus tard, j'ai pas le temps plus tard. Si ces gens-là, ils disent, oh non, on n'a pas le temps plus tard, ben chez qui les gens ils vont aller? Où ils vont trouver les réponses à leurs questions, les solutions à leurs problèmes? Où? Donc celui qui a pris la responsabilité de s'asseoir sur le minbar, ou bien devant les gens dans la mosquée, ou bien ailleurs, celui qui a pris cette responsabilité en apprenant aux gens ce qu'Allah il veut d'eux, ce que le prophète il veut d'eux, eh bien qu'il soit le premier à faire comme le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il donne de son temps aux gens, quitte à se priver lui-même de ce temps-là. Nas'alullah an yuwaffiqana li dhalik. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yajudu aydan 'ala an-nas bi talaqati wajhihi wa bi ibtisamatihi ila hadd anna ar-rajula aw anna al-jalisa ma'ahu yadhunnu bi kathrati ishraqati wajhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fi wajhihi annahu min ahabbi an-nas ilayhi. تصور لو أن رجلا يجلس بجنبك وينظر إليك ويبتسم في وجهك ويريك أسنانه لا لأجل أن يعوضك بل لأجل أن يظهر لك المحبة والمودة. ألم يخطر على بالك أن مثل هذا يحبك أكثر من غيره؟ فهكذا استقر في ذهن أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو عمرو بن العاص. وكان معروفا بالدهاء, أي كان داهيا من دهاة العرب, كان عاقلا فاطنا ذكيا عبقريا. فلما أسلم وتأخر إسلام وأخذ يخالط النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه, وجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما نظر إليه ابتسم في وجهه, فظن أنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأراد تحقيق هذا الظن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا, يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام عائشة. فقال عمرو, بل من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. ولم يزل يقول ثم من؟ ويتمنى أن يأتي اسمه بعد ذلك. فتفطن عمر أن هذه الابتسامات التي يجليها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الناس خلق طبع عليه وصفة محمودة جبل عليها.
وسياسة يكتسب بها قلوب الغير عليه الصلاة والسلام. وهو القائل وتبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام était le plus généreux des gens dans tout ce qu'il pouvait posséder, que ce soit physique ou même un sens. Et parmi ces choses-là, mes frères, la brillance de son visage et à quel point celui-ci était radieux lorsqu'il faisait face aux gens et lorsqu'il leur souriait. Car il n'était point avare en sourire. D'ailleurs, Allah il dit dans le Coran, « وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » Si tu étais dur, au cœur sévère, eh bien les gens se seraient éloignés de toi. Alors il était doux. « بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ » Il était envers les croyants indulgent et miséricordieux. « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers les mondes. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il accueillait les gens, il leur souriait avec un visage radieux, tel un soleil dans un ciel dans lequel il n'y a aucun nuage. À un point où les gens qui s'asseyaient avec lui, en le voyant agir ainsi, se disaient quoi ? C'est sûr, moi je suis préféré du prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les sahaba, Amr ibn As, il est tombé dans ce piège. Et Amr ibn As, radiyallahu anhu, est un musulman qui s'est converti tardivement. Et il était connu comme étant quelqu'un de très intelligent, de très rusé, de très malin. Et après sa conversion, après qu'il ait commencé à s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué que le prophète, quand il le regardait, il souriait. Il accueillait avec un énorme sourire, avec un visage radieux et resplendissant. Alors Amr s'est dit quoi ? C'est bon, c'est moi que le prophète préfère. Alayhi salatu wa sallam. Imagine-toi, quelqu'un, chaque fois que tu le vois, tu dis Masha'Allah, avec un sourire radieux, un visage resplendissant, tel, il y a des rayons qui émanent de son visage et qui viennent te réchauffer comme les rayons du soleil te réchauffent dans une belle journée d'été. Alors Amr s'est dit quoi, c'est bon, c'est moi que le prophète y préfère, alayhi salatu wassalam. Et un jour il a voulu concrétiser, confirmer cette opinion qu'il avait. Alors il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Ya Rasulallah, qui aimes-tu le plus parmi les gens ?» Il attendait qu'il lui dise Amr ibn As, mais il ne l'a pas dit Amr ibn As, il lui a dit Aïcha, radiyallahu anha. Il a dit « Mais parmi les hommes ?» Il a dit « Son père. » Il n'a pas dit Abu Bakr, il a dit « Son père. » Pour montrer que l'amour qu'il a de Aïcha, eh ben il a même une part dans Abu Bakr, radiyallahu anhuma. Il lui dit « Après, il y a qui ?» Il dit « Omar. » Et après, il y a qui ? Uthman. Et après, il y a qui ? Et il a donné d'autres noms, et son nom est venu après. Il a compris, en fait, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était comme ça avec tout le monde. Il avait un visage radieux et resplendissant avec tous ceux qui étaient autour de lui. Il accueillait tout le monde comme si c'était la personne qu'il préférait ici-bas. Car c'était un moyen d'attirer leur cœur. « Wa law kunta fadhdan ghalidha al-qalb, lanfadhdhu min hawlik. » Et ça, c'est une da'wa pour nous les musulmans. Comment nous on est des musulmans et on vit avec des koufars et ils sont majoritaires, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, et quand on est dans la rue on est comme ça, le sourcil ils sont presque en dessous de nos narines tellement on a le front renfrogné, on dirait on est triste, on dirait on est en colère, on dirait on est comme Ya subhanallah kun sa'idan fakhtaraka Allah ta'ala litakuna mu'minan fa kayfa tashqa taha ma anzalna alayka al-qur'ana. Comment est-ce que tu peux être triste ou bien malheureux ou bien renfrogné alors qu'Allah t'a choisi parmi les autres pour être croyant et musulman? Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Non, au contraire. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. C'est à cause de cela qu'on doit éprouver de la joie. C'est mieux que tout ce qu'ils peuvent réunir. Si on était resplendissant dans nos visages, accueillant avec les autres, souriant, peut-être que les gens auraient une opinion différente de celle qu'ils ont de nous aujourd'hui. Et même si les médias ou bien qui que ce soit
font tout ce qu'ils font pour ternir cette image, eh ben les gens ils sont pas bêtes. Ils vont dire non, c'est faux ce qu'ils disent à la télé. Parce que les musulmans, nous, quand on les voit, ils sont resplendissants, ils sont radieux, ils sont souriants, ils sont accueillants, ils sont gentils, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et ils comprendront d'eux-mêmes que c'est n'importe quoi ce qu'ils disent à la télé, c'est que des mensonges. À la kulli hal, c'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, accueillait et était avec les gens. طبعاً رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود على الناس بطعام عفواً بماله لأجل ماذا؟ لأجل لأجل إدخالهم في الإسلام. وكان يجود عليهم أيضاً بماله، وهذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بصحابته الكرام رضي الله عنهم. وكان يجود عليهم أيضاً بوقته، مع أن وظائفه كانت كثيرة، وكان يجود أيضا عليهم بابتساماته، وكان يجود أيضا عليهم بطعامه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. قال عليه الصلاة والسلام: وكان شديد العناية بأهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ هم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لا مال لهم، وكانوا قد اتخذوا في المسجد مقرا يبيتون فيه، ينتظرون صدقات الناس ليعيشوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحرض المؤمنين على أن يستضيفوا أحدهم أو جماعة منهم لأجل أن يتشاركوا على حول مائدة الطعام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، من عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة من هؤلاء. وكان أول من امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه، فأخذ معه ثلاثة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بعشرة منهم لأجل إدخال السرور عليهم، ومن أجل إدخال الطعام في بطونهم وسد الجوع والفاقة التي قد تكون سببا في اسوداد أيامهم ولياليهم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a fait preuve de générosité avec tout ce qu'il possédait, son argent envers ses proches, et notamment ses compagnons radiallahu anhum, comme on l'a vu, et aussi ce qu'il possédait dans le but à ce que les gens rentrent dans l'islam, et aussi le temps, malgré le fait qu'il était énormément occupé par toutes ses fonctions différentes, et aussi son comportement avec les gens et ses sourires, et le fait qu'il soit agréable avec ceux que ce soit avec lui. Et bien entendu, on ne peut pas mettre de côté le fait de nourrir les autres. Le fait de nourrir les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité énormément les musulmans à nourrir les gens dans le besoin. Il y avait chez les musulmans à Médine un groupe de personnes qu'on appelait Ahl al-Suffa, les gens de al-Suffa, qui étaient un groupe de musulmans qui n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas d'argent, pas de maison, pas de nourriture, rien. À un point où ils dormaient dans la mosquée, car ils n'avaient nulle part autre où aller. Et là-bas, ils attendaient que les musulmans fassent des aumônes afin qu'ils puissent se nourrir ou encore se vêtir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait énormément attention à eux. Et toujours il disait aux compagnons radiallahu anhum: celui qui a assez à manger chez lui pour deux, eh bien qu'il en prenne trois. Donc plus ça fera quatre. La nourriture de deux, elle sera suffisante pour quatre personnes. Alors le premier parmi les compagnons radiallahu anhum qui obéissait au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme toujours, c'était Abu Bakr, As-Siddiq
radiallahu anhu. Il en prenait trois avec lui, tout le temps. Il le ramenait chez lui et il les ramenait chez lui et il leur donnait à manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme ceux qui ordonnent des choses aux gens, mais qui ne le font pas, wallahu musta'an. Comme قال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Ordonnez-vous aux gens le bien en vous oubliant vous-même alors que vous lisez le livre. Pourquoi c'était pas comme ça عليه الصلاة والسلام. Il a dit aux gens de prendre trois avec lui. Eh bien lui il en prenait dix. Lui il en prenait dix. عليه الصلاة والسلام. Comment ne pas agir ainsi alors que c'est lui qui nous dit alayhi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, eh bien qu'il fasse honneur à son invité. Vous avez remarqué, nous, on a développé des habitudes un peu étranges. Quand on veut faire le pèlerinage, maintenant voilà la Mecque. Ou bien quand on revient du pèlerinage, on fait ce qu'on appelle des sadaqas. La sadaqa, c'est pourquoi? C'est pour le fuqara ou le masakin. Mais quand tu regardes les gens dans la sadaqa, tu vois que des gens là-bas, ça arrive. N'est-ce pas le fuqara ou le masakin? Ou innama hum min al-aqarib ou al-asdiqa ou l'ahbab. Quand tu regardes les gens présents dans la sadaqa, ce ne sont pas des pauvres. C'est des proches, la personne, des amis, des gens qu'ils aiment. Des gens qui ne sont pas dans le besoin. Pourquoi la personne sadaqa billah alayhi? Pourquoi? Alors qu'Allah dans le Coran dit innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin al-aya. Na'am, a'rifu anna al-maqsud bi-sadaqati fi hadhihi al-aya hiya az-zakatu al-mafruḍa. Na'am. Lakin hadha la yadfa' wa la yamna' an takuna as-sadaqatu fi al-asas lil-fuqara'. Ce verset que je viens de citer, oui, il concerne la zakat obligatoire. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que la sadaqa à la base elle est pour le pauvre. Tu veux faire un ikram, honneur aux gens que tu aimes, il n'y a rien qui t'en empêche. Et watu ajar ala dalik, la base. Tu seras récompensé pour ça. Il n'y a pas d'ishkal. Mais appelle pas ça une sadaqa. Appelle ça un ikram. Tu veux faire une sadaqa? Tu veux faire du khayr? Va chercher les pauvres dehors. Ramène-les chez toi et fais-leur à manger. Là, tu pourras dire, ta sadaqt. Mais c'est qui fait ça, billah alaykum, comme chez nous aujourd'hui? C'est qui? Wallahi, on connaît des musulmans, jazahumullahu khayra, ils ont des associations dans lesquelles ils réunissent de l'argent pour les, de la nourriture pour les pauvres. Et toutes les nuits, hein, toutes les nuits à Paris, ils font les rues et ils donnent aux pauvres. Ils donnent à manger aux pauvres. Eh bien, il y a des musulmans qui ont trouvé le moyen de les critiquer et de leur dire, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Il n'y a pas de pauvres en France. Ismaïla Habzaf a dit qu'il n'y a pas de pauvres en France. Wallahi, moi je suis même dans une mosquée, quasiment tous les vendredis, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant j'arrive pas à payer le loyer. J'ai des gens qui me disent je suis endetté jusqu'à là et l'huissier va venir. Des gens qui me disent j'ai plus rien à donner à mes enfants, j'ai rien, aide-moi. Alors si en France il n'y a pas de pauvres, faudra m'expliquer d'où ils viennent ceux-là. Faudra m'expliquer d'où ils viennent ceux-là, wallah. Et ce n'est pas des menteurs. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ce n'est pas des gens qui se lèvent dans les mosquées qui disent aux gens, mais fils abilillah là, il vient, il a honte, il bégaye, il n'est pas bien, il hachem, il fait smahli imam, akhi, il est comme ça, et tu comprends, tu dis khlas yakfi. Khlas yakfi. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin yakfi. Hada al maqam, ladhi yatadallalu fihi l'insan, la yanbari minna an nushajji'ahum alayhi. Bal bi mujarradi. فهمنا ومعرفتنا بحاجتهم يجب علينا أن نقوم بمساعدتهم. Faut pas que l'être humain il s'humilie devant notre être humain. Le seul devant lequel tu dois t'humilier c'est Allah Jalla Jalal. C'est Allah Jalla Jalal. Amma tu veux t'humilier devant moi là, là. Moi je suis rien. Et nous tous on est rien. On ne doit pas s'humilier les uns devant les autres. C'est devant Allah Tabaraka wa Taala qu'on doit s'humilier. Alors, quand tu reconnais les traces de la pauvreté et du besoin dans le visage de ton frère, ne les laisse pas s'humilier. Et aide-le avant qu'il ait besoin de le demander. Wallah, atardawn. Atardawn an taraw. Ikhwanakum wa akhawatikum qa'imina amana bab.
هذه المطاعم النصرانية أو هذه المطاعم التي تسمى مطاعم القلوب، والله تجدهم واحدا تلو الآخر ينتظرون أن تفتتح الأبواب لأجل الأخذ من أوساخ الناس. وأي الناس؟ كفرة فجرة، أولئك هم شر البرية. عجيب هذا. Comment est-ce qu'on peut accepter, ou nous, comment est-ce qu'on peut admettre et tolérer, nous, en tant que musulmans, de voir devant les portes des Restos du Cœur ou de la Croix-Rouge, des restaurants de chrétiens ou de mécréants, on voit des queues interminables de musulmans et de musulmanes qui attendent patiemment que les portes s'ouvrent pour aller récupérer quelques boîtes de conserve qu'on leur offre gratuitement et gracieusement. Comment est-ce qu'on peut accepter ça, nous? Comment? Mais nous, c'est pas seulement on l'a accepté, on l'a mis dans la bouche la pilule, mais on l'a avalé, on l'a digéré. On dit, c'est bon, il y a les Restos du Cœur, pourquoi je vais donner quelque chose, moi? Allah, Ib. Ib wa ar alayna. Quand on voit la nourriture qui s'entasse dans nos réfrigérateurs, qui s'entasse dans nos garde-manger, qui des fois même ils vont à la poubelle parce qu'ils sont périmés, pendant que nos frères, ils doivent manger devant la porte des mécréants. Thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im. هذا النعيم الذي نحن نعيشه سنسأل عنه يوم القيامة. Vous serez interrogé le jour du jugement sur ce délice, ce confort, ce luxe dans lequel on vit. Quand on va deux trois fois à Carrefour, à Lidl, remplir des caddies de trucs qui servent à rien, qui pourrissent dans nos placards et qui finissent à la poubelle, pendant que nos frères et nos sœurs ils n'ont pas de quoi manger et ils vont demander au kuffar la mendicité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a pas appris ça, nous a pas montré ça. C'est pas ce chemin qu'il nous a tracé. قال ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته وجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا أي مشرقا. وكان إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. قال ثوبان فلما انتصف النهار وحان وقت الطعام دعاني مستخفيا لا يألو أن آتي عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. فأتاها ثوبان فقالت رضي الله عنها والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله ذو كبد. قال ثوبان فردني النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فكلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف. فقال البدوي وكان ذكيا إن أهل البادية معانون على زماننا لسنا بأهل حاضر، لسنا بأهل الحاضر، إنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها اللبن أو يشرب عليها اللبن أو الماء فذلك الخصب. فقال ثوبان فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت ليس بها قطرة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت إليه تحبحب فأخذ برجلها بسم الله ثم اعتقلها بسم الله ثم مسح سرتها بسم الله فحفلت باللبن آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بمحلب فأتيته به فحلبه بسم الله فملأه ثم دفعه إلى الضيف فشرب منها شربة ضخمة ثم أراد أن يضعه فقال صلى الله عليه وسلم عل يعني زيد وكلما أراد أن يضعه قال له عل أي زيد حتى امتلأ وشرب ما شاء الله ثم حلب بسم الله وقال أبلغ عائشة هذا فشربت منه ما بدا لها ثم رجعت إليه
ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله ثم أرسلني إلى نسائه فشربنا ثم رددته إليه فحلب بسم الله ثم قال ادفعه إلى الضيف أخرى فدفعته إليه فقال بسم الله وشرب منه ما شاء الله قال ثوبان ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاني فلم آلوا أن أضع شفتي على موضع شفته فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك فما ثم مضى البدوي ثوبان رضي الله عنه nous raconte qu'un jour un bédouin est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli comme l'hôte accueille son invité. Et il s'est assis devant ses demeures et il s'est mis à l'interroger sur les gens. Comment est-ce qu'ils sont contents d'être rentrés dans l'islam? Comment accomplissent-ils la prière? Et le bédouin qui venait de la campagne, il ne cessait de l'informer sur l'état des gens. Et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'illuminait de plus en plus. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une information le réjouissait, son visage resplendissait comme si c'était un morceau de lune. Alors, Thawban nous dit radiyallahu anhu, lorsque la moitié de la journée arriva et que c'était l'heure de manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Thawban discrètement et l'envoya chez Aïcha pour l'informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un invité et qu'elle prépare quelque chose à manger. Alors Thawban radiyallahu anhu, il va voir Aïcha et il l'informe de ce que le prophète lui a dit alayhi salatu wa sallam et elle dit par celui qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité et l'a guidé, je n'ai rien à lui proposer. Je n'ai rien à lui proposer. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a rien. Parce qu'ils n'ont rien chez eux. Alors Thawban qui retourne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer, entend le prophète lui dire alayhi salatu wa sallam d'aller voir les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de voir si l'une d'entre elles a de quoi donner quelque chose à l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque fois que Thawban allait voir une des épouses du prophète, il revenait bredouille et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam se ternissait comme la lune qui disparaît à cause d'une éclipse. Et le bédouin qui assiste à la scène, il est intelligent. Alors il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on a l'habitude des moments de crise, on a l'habitude des moments difficiles, on vit dans la campagne, nous quand c'est difficile, une gorgée d'eau ou de lait avec quelques dattes nous suffisent. Et là, il est en train d'envoyer un message au prophète, alayhi salatu wassalam, même un petit peu yakfina, inshallah. C'est pas comme nous. Nous, on t'invite à la maison, on te pose du poulet, on te pose de la viande, tu te remplis le ventre, à la fin, tu dis quoi, ça manquait de sel. Ou bien, il y avait trop de graisse. Ou bien, c'est bon, on a marre de manger de la viande ou bien du poulet, il n'y a pas que trop quelque chose d'autre. Il a, quand il a tout ramassé, non, il disait il y a trop de sel là. À la kulli hal, le prophète, et au même moment, Thawban il dit quoi, radiallahu anhu, au même moment, il y a une chèvre qui passe. Une chèvre fatiguée, toute maigre. Elle a rien dans sa mamelle. Quand il la voit, il l'appelle. Elle vient vers lui en boitant. Tellement elle était fatiguée et vieille. Il l'attrape par les pieds en disant bismillah. Ensuite, il la couche en disant bismillah. Ensuite, il essuie sa mamelle en disant bismillah. Et en faisant cela, elle se mit à gonfler. Elle se mit à gonfler de lait. Allah Ta'ala en a fait un signe pour lui, un miracle. Alors, il se mit à la traire en disant bismillah. Et il remplit une écuelle qui était près de lui. Et il l'offre en premier à son invité. Il lui dit bois. Alors l'invité dit bismillah et il boit beaucoup jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il allait poser l'écuelle, le prophète dit bois encore. Alors il boit encore jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Après, le prophète il prend l'écuelle, alayhi salatu wassalam,
et il trait à nouveau en disant Bismillah, il trait et il remplit l'écuelle. Alors il la donne à Thawban radiallahu anhu en lui disant amène-la à Aïcha. Il l'emmène à Aïcha. Aïcha, elle boit ce qu'elle peut et elle rend l'écuelle au prophète alayhi salatu wassalam. Il trait à nouveau la chèvre et remplit à nouveau l'écuelle. Et il envoie Thawban tour à tour chez ses épouses les unes après les autres et chacune d'entre elles boit jusqu'à être rassasiée. Ensuite, lorsque l'écuelle revient au prophète alayhi salatu wassalam, il la remplit et il en boit. Non, il la remplit encore et il dit à Thawban, donne-le à l'invité encore une fois, bois encore. T'es mon invité, la yu'minu, man kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir fal yukrim daifa. Bada'a bihi wantahad. Il a commencé avec lui, il a fini avec lui. Bois encore. Et l'invité, il boit goulûment. Alors le prophète, ensuite, il reprend l'écuelle vide et il la remplit encore à nouveau. Ayatan. Min Allah, li rasulihi alayhi salatu wassalam. Il remplit l'écuelle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam boit. Et encore une fois, une dernière fois, il dit Bismillah, il remplit une dernière fois l'écuelle avec le lait de la chèvre et le temps à Thawban pour qu'il boive à son tour. Et bien sûr, Thawban, il fait son possible pour poser ses lèvres là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé les siennes. Et après, le bédouin, il est rentré chez lui, rassasié et content. أحبابي لا أطيل عليكم وأختم حديثي هذا كما قلت لكم مرارا في هذا في هذه الكلمات القليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان يجود بكل شيء وكان يجود بعلمه حتى قال الصحابة رضي الله عنهم أنه ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم علما وجاد النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله فكان يمشي خلف الناس في الأسواق قائلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ما ترك أحدا يستطيع أن يدعو إلى الله إلا ودعاه إلى الله عز وجل وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بصبره فكان يصبر على الناس وكان يكظم غيظه فما كان يغضب على الناس في غير انتهاك حرمات الله جل جلاله وفي نهاية المطاف جاد النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء لديه حتى فارق هذه الدنيا وما ترك منها شيئا قال عمرو بن حارث رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة في سبيل الله هكذا فارق الدنيا جاد بكل شيء وزهد فيما عند الناس فأحبه الناس وكان حقا على كل من عرفه أن يحبه حبا جاما وأن يفضله ويؤثره على كل أحد صلى الله وسلم وبارك عليه. Et enfin mes frères, je vais conclure ce petit discours en vous disant et en vous répétant que le prophète صلى الله عليه وسلم était sans aucun doute le plus généreux des êtres humains. Il a tout donné, tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il avait entre les mains, il l'a donné aux autres. Il n'a rien gardé, il n'a rien conservé. Sa science, il l'a donnée. À un point où les sahabas, radiallahu anhum, ils disaient, il n'y a pas un oiseau qui battait des ailes dans le ciel sans que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne une science à son sujet. Tout ce qui se passait autour d'eux, le prophète alayhi salatu wassalam leur enseignait quelque chose à son sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam était généreux envers les gens lorsqu'il les appelait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle parole peut être meilleure que le fait de dire, que le fait d'appeler les gens vers Allah et de leur dire Ana min al-muslimin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Qui c'est qui est meilleur que celui qui dit quelle parole est meilleure que celle
de celui qui dit, qui appelle vers Allah et qui accomplit des actions vertueuses et qui dit, je fais partie des musulmans. Il appelle les gens vers Allah rigoureusement et avec insistance à un point où il suivait les gens dans les marchés en leur disant, oh vous les gens, dites la ilaha illallah, vous gagnerez. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait don de sa patience aux gens. Il a toujours contenu sa colère et jamais il n'a été odieux, injurieux, grossier ou vulgaire à l'égard de quiconque. Et même si on a tenté à sa personne, il patientait et retenait sa colère, sauf lorsque les limites d'Allah, tabaraka wa ta'ala, étaient dépassées et transgressées. Le prophète, alayhi salat wa salam, a quitté ce bas monde et il avait tout donné. Il a tout offert, il n'a rien laissé. Al-Harith ibn Amr, plutôt Amr ibn al-Harith, radiyallahu anhu, nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa salam, lorsqu'il mourut, n'a laissé ni un dirham, ni un dinar, ni un centime, ni un euro, si tu veux. Il n'a pas laissé d'esclaves hommes ou femmes. Il n'a rien laissé, si ce n'est une mule blanche qui lui appartenait, ses armes et une parcelle de terre qu'il a donnée, fi sabilillah. C'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce bas monde, parce qu'il sait très bien qu'on n'emporte rien avec nous dans la tombe. On n'emporte rien avec nous dans la tombe. Al-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat an as-salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-mawt yaskunuha illa allati kana qabla al-mawt yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawi al-mirath najma'uha wa duruna li kharab ad-dahr nabniha. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. L'âme humaine, mes frères, elle pleure pour ce bas monde lorsqu'elle est privée d'une chose qu'elle convoitait, alors qu'elle sait très bien que sa sécurité est dans le fait de la délaisser. Tu n'auras pas de demeure dans l'au-delà autre que celle que tu as construite ici-bas. Si tu l'as construite avec du bien, alors sache que tu seras heureux demain. Mais si tu l'as construite avec du mal, alors attends-toi à un châtiment phénoménal. Nos biens, nous les ramassons ici-bas pour nos héritiers. Et nos demeures, nous ne faisons que les construire pour qu'un jour, elle soit détruite. Où ils sont les rois qui ont conquis ce bas monde? Où ils sont, si ce n'est qu'ils aient disparu après avoir bu de la coupe de la mort? Ne t'accroche pas à ce bas monde et à ce qu'il contient, car sans aucun doute, on disparaîtra et lui aussi. Alors sois généreux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un excellent modèle et un parfait exemple pour celui qui croit en Allah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pour celui qui espère en Allah. وكلنا نرجو الله عز وجل. واليوم الآخر وكلنا نرجو ذلك اليوم. ليجزي الله تعالى عباده الصالحين بالحسنى. Nous tous ici on espère en Allah. Et nous tous on espère le jour du jugement, afin qu'Allah nous récompense pour le bien qu'on a pu accomplir, si on en a accompli. وذكر الله كثيرا. Donc si tu veux espérer réellement, parce que c'est facile d'espérer, mais il faut que ce soit un espoir véridique et sincère, eh bien, suis le prophète عليه الصلاة والسلام. Tu ne seras pas déçu le jour du jugement. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma ij'alna min al-amilina bil ma'ruf al-fa'ilina lah, waj'alna min an-nahina 'anil munkar al-mujtanibina lah.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء، واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن اقتدى برسولك صلى الله عليه وسلم أحسن الاقتداء، اللهم اجعلنا ممن امتثل أمره واجتنب نهيه، واحشرنا معه في أعلى جنان الفردوس يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.